Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode du Noël des barbus. C'est quoi le principe du Noël des barbus, hein? Eh ben, j'ai des outils dont je ne me sers pas ou j'ai upgradé et je vous donne mes anciens outils. Ça me fait plaisir, c'est pour vous. Aujourd'hui, et comme vous le savez, il y a de ça quelques semaines, j'ai upgradé mes machines. Je me suis acheté un combi qui a bien sûr une dégo, un rabot, une toupie, mais surtout une scie à format. Et donc mon ancienne scie, je la donne. On va aller voir ça tout de suite. Alors, vous la voyez là, elle est un peu sale, mais c'est ma scie. Attendez, je vais prendre un siège pour me mettre à côté. Donc là, elle est un peu cracra, parce qu'il y a un peu toute la poussière de l'atelier qui s'est posée dessus. J'ai mis un peu tous les accessoires et la quincaillerie qu'il y avait avec. Mais en gros, c'est une scie sur table que j'ai mis sur roulette et avec un espèce de meuble maison que moi j'utilise depuis quoi ? Peut-être 2 ans, 1 an et demi. 1 an et demi, 1 an, 2 ans. Qui m'a permis de faire plein de projets. Qui est une scie vraiment sympa, qui a certes certaines limites, mais qui en tout cas va vous permettre, si vous n'avez pas de scie dans ce genre-là, de passer au niveau supérieur. Les caractéristiques principales, c'est quoi? Une lame de 250 mm. Là, je vous ai remis la lame stock, c'est-à-dire qui était livrée avec. Je vous conseille de changer la lame. Moi, je me suis acheté toute une série de lames CMT qui marchent très bien. J'ai modifié le couteau de diviseur. J'ai fait aussi des plaques Zero Clearance Insert. Il y en a une deuxième qui traîne, je ne sais plus où, je vais la retrouver. Il y a plein de petits accessoires. La table peut s'allonger pour aller jusqu'à combien? Genre plus de 60 cm. Il y a le petit truc qui est ici, que j'ai jamais utilisé vraiment, pour faire de la coupe transversale. Il y a plein de choses. C'est vraiment une très bonne machine qui est un peu bruyante, qui est plutôt puissante, qui m'a permis de faire tout ce que j'ai fait sur la dernière année avant de récupérer ce combi. Cette machine, je la donne. Bien sûr, vu le volume, je ne peux pas l'envoyer décemment. Il va falloir venir la chercher dans ma grotte, en région parisienne. Le principe, c'est le même que sur les autres outils que je donne dans cette série du Noël des barbus. Tu es un viewer standard, tu as une chance sur X de gagner cette machine. Tu es barbu tipeur ou barbu scripteur en fonction de ton engagement entre guillemets et du pognon que tu m'envoies tous les mois, eh ben, tu gagnes des chances en plus. C'est-à-dire si tu files 1 euro, tu as 2 chances sur X. Si tu files 5 euros, tu as 6 chances sur X de gagner cette machine. Je le répète, il faut venir la chercher sur place. Je ne l'enverrai pas par la poste. Je vais essayer de trouver d'autres trucs dans mon atelier à droite à gauche à filer aux gentils barbus pour Noël qui sont pas en région parisienne et qui peuvent tenir dans un carton ou être envoyés par la poste ou par un coursier à droite à gauche. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Tentez votre chance, comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description, tu peux bien sûr t'abonner et évidemment tu peux laisser des commentaires. Le lien pour participer et gagner cette scie circulaire sur table AEG, c'est dans la description. Donc n'hésitez pas. Puis voilà, que la barbitude soit avec vous et à très bientôt.